Encore nous cette très belle équipe dont on parle qui vous accompagne toujours Madame Monsieur bonjour et bienvenue à tous j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes déjà prêt pour commencer ce numéro dont on parle alors comme d'habitude nous allons prendre une chanson qui nous permet toujours de dire merci à Dieu qui renouvelle en nous ses bontés et ce sera une chanson de Morija elle est titrée Miséricorde on la prend et on se retrouve juste après et voilà, c'était le titre Miséricorde de Morija Dieu et celui qui nous soutient par sa miséricorde. Et c'est même pour ça que nous nous sommes retrouvés encore une fois de plus sur ce plateau. Alors je suis accompagnée comme d'habitude de Azaf à ma gauche et de Leila à ma droite. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie, tu bon vas bien Adap, je Bonjour Leila. Ça va que vous ici Ça va, merci. Toute belle. Hein? Merci. Je te retourne le Merci. Très belle coiffure. Merci. Azaf, tu vas bien Oui, ça va Aurélie, et toi Ça va, merci. Alors oui. Leila, on va y aller. Directement sans plus tarder avec euh, notre citation du jour. La citation du jour dit ceci le pardon, un pansement pour notre cœur. C'est une citation qui va de pair avec notre sujet du jour. Mm -hmm. Les, les pardons, excusez-moi, un pansement pour le cœur. Les pardon un pansement pour le cœur. C'est vrai que lorsqu'on doit pardonner, on porte une blessure mm -hmm. et pardonner permet justement de mettre un pansement. C'est le signe de début d'une guérison. Mmh. Et moi j'ai envie de dire choqué, on le sera toujours, on sera toujours, toujours, blessé, toujours blessé. Et euh, faudrait toutefois, faudrait toujours toutes ces fois où on sera blessé avoir euh, avoir ce pansement là. as qu quelque chose à rajouter? Les pardons c'est c'est vraiment une force qui libère comme on nous le dit très souvent. Oui. Et je crois lorsqu'on parle de pansement c'est aussi cette force là qui nous permet d'être guéri. Donc avec le pardon on on s'y recrée, on, on essaye d'être une nouvelle personne. Oui en oubliant que même si les gens peuvent nous choquer, nous blesser, qu'on a ce pouvoir de nous-mêmes personnellement de, de de nous guérir avant de vouloir que d'autres personnes puissent euh, reconnaître leurs fautes ou leurs euh, actes euh, qui ont été ignobles, voilà. Merci Azaf. Alors puisque le pardon est important, on peut déjà le voir à travers cette citation du jour que nous a donnée Leila. Nous allons parler du pouvoir du pardon. Et ce sera juste après cet état de lieu. Pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Le sens du terme est donc fidèle à son étymologie perdonare en latin il s'agit du don qu'elle en fait à son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense le pardon est le fait de vaincre son ressentiment envers un offenseur non pas en niant son droit au ressentiment, mais en s'efforçant de considérer l'offenseur avec bienveillance, compassion et même amour. Les points importants de cette définition sont que c'est lui qui pardonne à offert, d'où son ressentiment. La personne offensée a un droit moral à ses ressentiments, mais elle les dépasse. Une réponse nouvelle à l'offenseur se produit. Une réponse de compassion et d'amour. Cette réponse positive et affectueuse se produit en dépit du fait que l'offensé n'a aucune obligation d'aimer l'offenseur. Le pardon est l'antithèse de l'oubli. Car, si l'on oublie les torts qui a été faits, alors il n'y a plus rien à pardonner. Ni la personne qui a commis les torts, ni la personne qui en a été victime, ne doivent oublier ce qui a été fait, sous peine de ne plus pouvoir être pardonné ni pardonné. Le pardon efface les ressentiments liés à l'acte négatif qui a été commis, mais ne peut effacer l'acte lui-même. Il peut simplement libérer l'offenseur et l'offensé de certaines conséquences négatives de cet acte. Des façons générales, excuser, amnésier, dépenser de peine, oublier ou nier. De retour après notre état de lieu, alors euh, Azaf, j'aimerais savoir quels sont les quelques actes ou les comportements dans la vie de tous les jours en fait qui peut euh, faire intervenir le pardon Voilà, euh, face à tout genre de comportement, parce que ça commence euh, au sein de la famille, parce que l'âme c'est la base, c'est la famille, et on a toujours ces comportements qui peuvent euh, demander à ce qu'on puisse pardonner. Quelqu'un qui nous a manqué du respect, quelqu'un qui nous a mal parlé, euh, quelqu'un qui a qui, qui a volé peut-être quelque chose. Alors là, c'est ce genre de comportement par rapport à un regard. Vous savez, il y a ces personnes qui regardent de manière dédaigneuse. Euh, dédaigneuse pardon. Alors là, euh, euh, tu es blessé, tu, tu es chagriné, et ça frappe ton cœur. Alors ça demande à ce qu'on puisse pardonner. C'est également la même chose quand qu'elle rencontre au milieu scolaire. Ça peut se faire parce qu'il y a la, la famille, il y a l'école. À l'école, notre maître, notre enseignant peut aussi nous blesser ou poser un acte qui nous a froissés, qui nous a heurté, qui nous a lésés. Alors là, alors là, ça dépend vraiment de, de chaque personne. Et de ces personnes, tu peux, tu peux lui parler de manière euh, brutale mais ça lui blesse ça lui blesse pas il y a d'autres personnes elle est vraiment euh, douce elle n'aime pas la brutalité dans le mot elle n'aime pas euh, la personne s'est sent blessée oui. alors lorsqu'on s'est sent blessé ça diminue même ces dynamismes que l'on rencontre ou ça diminue comment je vais appeler ça notre manière d'être avec les autres lorsqu'on est blessé on essaye de nous refouler dans la solitude parfois. Il y a d'autres personnes quand elles se sont blessées, elles essaient d'être seules pour euh, éviter de, de blesser encore. Parce qu'on dit toujours la personne qui est blessée blesse à son tour également. Donc, que ce soit dans les milieux scolaires, on retrouve des comportements face à un ami qui a, qui a vraiment, qui est venu pour prendre notre place. Moi, j'étais là, vous faites une petite discussion, il y a des injures. Là, ce sont des comportements qui demandent le pardon. Pourquoi? Parce que qu'on a toujours besoin d'être en harmonie dans l'environnement qui nous entoure. On a toujours besoin de pardonner pour surmonter, pour avancer. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces comportements, il y a de ces actes qui vous empêchent d'avancer parce que vous êtes blessé. Que ce soit en couple également, il y a de ces comportements qui blessent. Par exemple, la considération manque au sein de au sein de votre couple. Peut-être la personne avec qui tu vis n'est considère pas comme tu l'attends. Les attentes, alors ça ça blesse aussi et ça demande à ce que tu puisses pardonner. Par exemple, la personne ne reconnaît pas ses torts. Là, ce sont des choses que peut-être on peut rencontrer dans les, les couples où l'un ou l'autre n'a pas cette facilité de reconnaître qu'elle a commis ou qu'il a commis un acte qui était mauvais. Donc là, ça demande le pardon parce que à chaque fois que tu ne pardonnes pas ça crée comme euh, je, je vais dire je, comment je vais appeler ça ça va empêcher c'est comme un bouclier qui va empêcher à ce que ton cœur puisse être touché et exactement dans les milieux professionnels il y a de ces comportements il y a l'humiliation qui, qui 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 blesse il y a le, le, ces côtés le traitement réservé à, à certaines personnes tu es, tu n'es pas bien traité tu tout ça ça froisse la personne ça, ça ça blesse ça chagrine la personne et ça ça exige le pardon ça demande les pardons. Pourquoi Parce qu'on parle d'un pansement. Pourquoi on parle d'un pansement Parce qu'à chaque fois qu'on est blessé ou à chaque fois que quelqu'un nous manque du respect ou nous considère pas ou nous humilie, notre cœur est blessé. Voilà pourquoi on parle de pansement. Que le pardon, c'est comme un pansement. Donc, la situation du jour répond exactement à cette question pour dire que donc, sans le pardon, le cœur qui est blessé ne va pas se rétablir. Parce qu'à chaque fois qu'il y, y a des mots qui sont comme des clous, qui vont venir vous enfoncer dans les noirs, dans les chagrins. Et si vous ne pardonnez pas, donc vous n'ouvrez pas la porte à la guérison. Le pardon, c'est cette guérison qu'on a besoin face à tous les actes qui nous chagrinent, qui nous font mal, qui nous énervent, parce que le pardon, plutôt les pardons, plutôt que certains actes ne vous chagrinent seulement pas, mais ça vous énerve également. Vous pouvez mal réagir. Et pour éviter de mal réagir, voilà pourquoi il est recommandé pour un enfant des dieux de pardonner. Parce que ces pardons va libérer les personnes qu'on bloque. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas les gens, on peut bloquer les bénédictions d'autres personnes. Oui. Parce que la personne m'a fait du mal. Le... Donc j'essaye de, de, de lui souhaiter le mal. Ça nous arrive aussi. On est vraiment blessé. On prononce des paroles de malédiction pour d'autres personnes qui nous ont... Euh, blessés, qui nous ont euh, humiliés, euh, machin. Mais les pardons permettent à ce que vous ouvrez la personne. Parce que lorsque vous souhaitez le mal à une personne, savez-vous que vous êtes en train de vous souhaiter aussi le mal. Là, vous êtes vindicatif parce que vous voulez vous venger. Alors que la vengeance n'est pas recommandée pour, pour un enfant des dieux. Lorsque vous pardonnez, non seulement vous êtes en train de chercher à, à libérer la personne, mais vous êtes en train de vous libérer vous-même d'abord. Donc euh, c'est exactement tous ces genres de comportements qu'on peut retrouver au sein de la famille, milieu scolaire, milieu professionnel et même dans la société qui demande à ce que nous puissions pardonner car c'est très important. Ça permet, comme la citation l'a dit, de penser les cœurs et d'avancer. Voilà. Et moi j'aimerais que chacun se représente euh, l'image d'une plaie que l'on ne pense pas. Mmh. Vous voyez, vous voyez ce que ça donne. Et c'est comme voilà. ça en fait lorsque vous ne pardonnez pas, il n'y a pas, il y a pas de pansement, votre cœur ne sera pas pensé. Donc voilà. imaginez-vous seulement une plaie qu'on ne pense pas. Qu'est-ce que ça donne <laughs> Alors Léila, dans les, dans les relations humaines, j'aimerais avoir quand même aussi ton avis dans les relations humaines, quels sont les comportements qui peuvent faire intervenir le pardon moi, je serais du même avis que euh, Azaf. Qu Azaf. Mm -hmm. euh, Ça dépend, au fait, de la façon de faire de chacun d'entre nous. Il y a des ceux-là qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres, mm -hmm. euh, par rapport aux mots, par rapport aux actes. Il y a mm -hmm. d'autres qui le sont moins que les autres. Donc, ça dépend la façon de faire le choses et la, la façon dont nous avons de percevoir le chose. Ça dépend. C'est-à-dire, mm -hmm. moi, je peux balancer une insulte qui pourra euh, heurter X mais pas Y, parce que Y c'est le genre de personnes qui sont moins susceptibles. Mais X est beaucoup plus susceptible. Il prend, il retient ça, il tient ça. À Cœur, il a mmh. du mal à dormir, ça le ronge et tout ça. Au fur et à mesure, ça se transforme en, en colère, en haine, en amertume. Mmh. Il t'en veut à un long terme et tout ça. Alors que l'autre pourrait juste te dire que non, voilà, c'était peut-être sous l'effet de la colère qu'il est là et dit ça c'est bon ça va passer et le lendemain deux ou trois jours après il peut venir me voir on parle on discute et tout ça il a ça mmh. dans la tête ça dépend en fait d'une façon à une autre c'est vrai qu'il y a des insultes il y a euh, la jalousie aussi hein c'est vrai que ça engendre une certaine colère qui va euh, créer euh, cette espèce d'amertume pour en vouloir à l'autre mmh. il y a des fois on en veut à, à une personne qui ne nous a rien fait mais il faudrait pardonner à cette personne parce que la personne ne sait pas qu'elle vous a heurté qu'elle vous a en tout cas blessé mais vous de votre côté vous retenez ça à cœur c'est-à-dire, vous souffrez sans que la personne qui est supposée vous avoir fait du mal les sache. Mm -hmm. Ça existe aussi. Il y a des mots qui sortent aussi comme ça, hors contexte. Ça peut toucher. Peut-être que toi, la personne qui a fait sortir ces mots, sur le coup, tu ne les pensais peut-être pas. Sur le coup, ce n'était pas peut-être pour heurter l'autre, mais l'autre l'a perçu très mal, ta façon de parler. Ou alors le commentaire que tu as fait sur X ou quelque chose qui était lié à, à lui. Mm -hmm. À elle, la personne. Il y a des insultes, il y a des mauvais regards. Euh, entre les relations humaines, hein. oui. il y a certains comportements aussi, c'est-à-dire toi, tu te crois supérieur aux autres, tu écrases les autres mm -hmm. par rapport à tes paroles, par rapport à tes actes, euh, tu écartes pratiquement les autres, tu diminues les autres. Ça aussi, ça fait, ça ça fait mal, ça mm -hmm. froisse quand non, la personne oui. se sent inférieure. Toi, tu fais vraiment ressentir à la personne que mm -hmm. tu es inférieure à moi. Moi, je je, suis, euh, euh, je, je ne tremble pas avec les torchons, je suis mm -hmm. un aigle, je ne vole pas avec des pigeons ça c'est difficile mais... oui ça heurte au fait ça, ça heurte la sensibilité de l'autre ça heurte et surtout la... quand c'est fait en public et hein. surtout quand mm -hmm. c'est fait en public la honte aussi c'est quelque chose bah lorsque ouais. vous foutez la honte excusez-moi les termes lorsque vous mettez la honte sur quelqu'un la, la personne peut vous en vouloir Mm -hmm. La personne va vous en vouloir et euh, ça va Je se transformer si elle est en pas colère, du genre en genre à, à, à parler directement, à extérioriser à ce qu'elle voit là, ou ce ouais, qu'elle ressent. Que ça ne l'a pas plus. Elle va garder. De faire, elle va garder ça en garder elle. elle et tout ça. Et puis la personne va vous en vouloir à un long terme. Vous savez, lorsqu'on en veut à quelqu'un, on bloque les énergies. Mm -hmm. On bloque d'abord son propre énergie et puis on bloque l'énergie de l'autre. Okay. Donc il faudrait vraiment <laughs> essayer de, 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 mettre, de rajouter le pardon dans dans votre cœur pour arriver à dégager vos énergies. Ok, alors Azaf, vu qu'on parle du pouvoir du pardon, j'aimerais savoir quel, quel pouvoir en fait a le pardon Le pardon a un grand pouvoir, un énorme pouvoir. Okay. Les pardons bénis. Okay. Les pardons permettent à ce qu'on soit guéri. Parce que parlons vraiment, euh, parlons comme si euh, on était des malades. On avait besoin, les pardon c'est ces docteurs-là qui t'apportent la guérison. Le pardon, ça permet, ça te permet d'être reconstruire. Tu sais, il y a de, de ces personnes, je vais te donner l'exemple, et c'est dans la Bible, si j'ai encore, euh, voilà, une, une mémoire qui me, qui me fera pas la honte. C'est les enfants de Jacob. Il y a une sœur, je crois, c'est Tamar qui a été, euh, violée par un homme. Et c'est passé, ça a eu du temps. Et ses frères ont gardé cette colère. Qu'on avait violé notre sœur. Et un jour, par colère, ils ont vengé, ils ont tué la personne. Mmh. Et leur père n'était pas content pour dire par votre colère, vous avez tué quelqu'un. Donc, pour dire que on peut garder la colère aujourd'hui. Plus on garde la colère, plus ça change la personne que nous sommes. Il y a ces personnes qui sont, des... ils ont même le visage qui change parce que c'est une personne qui encaisse beaucoup. Lorsque vous encaissez la haine, vous encaissez la douleur, vous encaissez le chagrin. Ça change votre personnalité et votre étoile diminue. Et votre énergie positive se change en énergie négative. Mmh. Autour de vous, vous dégagez que ce qui est la négativité. Vous ne transmettez que le, le chagrin, vous ne transmettez que la douleur. Vous êtes là à blesser. C'est comme quelqu'un qui a encaissé de flèches et des flèches, il commence à les jeter, à les, à les renvoyer, je, je peux dire encore. Donc, le pardon a ce pouvoir-là de vous libérer de tous ces mots. Les pardons vous permettent de fermer vos oreilles face à ces actes qui vous empêchent d'avancer, face à ces paroles qui vous ont mis à terre. Parce qu'il y a de ces paroles, on vous prononce une parole, vous êtes blessé, vous êtes en colère. La colère vous conduit à mal agir parce que sous la colère, vous pouvez mal parler vous aussi. Sous la colère, vous pouvez mal réagir. Alors que lorsque vous pardonnez, c'est comme vous mettez un point ou une virgule pour commencer une nouvelle partie de votre phrase de la vie donc sans les pardons en tout cas vous n'avez pas ce pouvoir de la liberté grâce au pardon vous allez vous rendre compte que joseph il a été trahi par ses frères il a été vendu mais il a pardonné ses pardons a permis à ce qu'il soit libéré à ce qu'il continue son chemin donc le pardon ça te permet de te dire ben voilà si telle personne a posé ses taxes c'est parce que Dieu avait voulu que la personne puisse poser cet acte. Si telle personne m'a maltraité, c'est parce que Dieu a un destin pour moi et que je dois atteindre ce destins-là. Parce qu'il y a ces actes, il y a ces combats qui changent les cours de votre vie. Il y a ces humiliations de la vie qui, qui vous, qui vous permettent de voir qui vous êtes. Moi, je connais des personnes qui ont été humiliées. Cette humiliation s'est transformée en bénédiction vu que vous êtes humilié, vu que vous pleurez parce que les gens vous ont blessé, les gens vous ont mis en colère, Dieu a toujours un plan lorsque vous pardonnez. Il est toujours là pour vous bénir. Il est toujours là pour ouvrir aussi les personnes qui vous ont fait du mal. Parce que parfois, on souhaite le mal à ces personnes qui nous ont, qui nous ont fait du mal, non, que le mal lui arrive. Non, non, non. Tant, tant qu'enfant des dieux, les pardons, c'est très important c'est comme le sel c'est comme les piments voilà ces piments là qui ne fait pas mal ces piments là parfois on pardonne on pleure aussi hein, pour dire bah ben voilà c'est pas facile de pardonner oui. c'est pas facile c'est vraiment c'est un sujet on parle comme ça mais dans la réalité c'est pas donné à tout le monde de pardonner facilement mmh. il y a ces personnes je te pardonne mais j'ai pas oublié Bon, c est, c est... Oui, hein, je, je pense que c'est ce qui se passe avec les humains. Ça, voilà. ça peut arriver que, que l'on pardonne, mais c'est toujours difficile d'oublier. Parce que quand je te vois, je me rappelle toujours de ce que tu m'avais fait. Ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné. Je t'ai peut-être pardonné, mais euh, voilà, vraiment, je me rappelle encore de ce que tu m'avais fait. Et ça, c'est normal. C'est vraiment le contraire de ce que Dieu nous demande. Parce que si on regarde ce qu'on a toujours posé comme acte envers Dieu. Combien de fois on a désobéi Je pense qu'il n'y a que Dieu qu qui pardonne et qui oublie ce qu'on a fait comme Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa parole qu'on doit être comme lui, qu'on doit vivre doit comme lui C'est-à-dire, oui, lorsqu'on pardonne. C'est le jour, en fait, que l'on s'efforce d'être comme Jésus. Il, il faut vraiment. Moi, vraiment, je recommande, je recommande cette forme de pardon. Qui, lorsque vous pardonnez, vous ne puissiez pas rappeler à la personne une autre erreur. Que tu sais, à l'autre fois même, tu avais fait ça, mais je t'avais pardonné. Mmh. Ah bah, comment Tu m'avais pardonné déjà, mais pourquoi Asaf, tu dis que. Pourquoi que tu, tu m m rappelles me rappelles C'est-à-dire, tu ne m'as pas pardonné carrément. Ça, petite... Tu gardes que une petite calère. Hein. Je te pose et voilà. tu es devant la caméra. J'espère pour toi que tu vas répondre honnêtement. <laughs> ouais. Est-ce que toutes les fois où on t'a fait du mal, tu as pardonné et tu as oublié ce qu'on t'a fait le pardon pour moi, c'est pas un acte. Réponds honnêtement. Ouais, je, hein, je, ouais, je réponds honnêtement, je réponds vraiment de manière personnelle. Le pardon pour moi, c'est un acte. Je, je pardonne pas parce que je me sens inférieur à une personne. Je pardonne parce que je veux moi-même être libéré. Je veux moi-même avancer. Je peux, par je pardonne à la personne. Ce n'est pas dit que lorsqu'on pardonne à une personne, par exemple, souvent c'est le cas avec les êtres humains. Lorsque tu pardonnes à une personne, tu penses que tu dois peut-être avoir le même rapport que tu avais avec la, le, la personne. Il y a de ces actes la personne a, a posé. Mais ça c'est déjà quelque chose. Non. Ça c'est déjà quelque chose. S'il yes. te plaît, c'est déjà quelque voilà. chose. Parce que si tu me dis que on veut, tranquillement, on veut être tranquillement. comme, ouais. on veut être comme, je suis, très voilà. tranquille, je suis voilà. tranquille. Okay. <laughs> on veut être comme <laughs> Jésus, c'est-à-dire ouais. que Jésus en fait, quand il te pardonne, hum. vous avez la même relation. Vous gardez la même relation. Tu gardes la même relation avec Jésus. Quand tu pars, oui. il te dit pas, il te repousse pas. Okay. Tu peux aller à n'importe quelle heure vers lui, il va toujours te recevoir. Et vous aurez toujours la même relation. Si vous avez une relation de, de père et fille, vous aurez toujours la même relation de père et fils. Vous aurez toujours la même relation. Rien ne va changer. Mais toi, tu vas pas me dire que non, voilà, parce qu'on est humain. Euh, on ne va plus garder la même relation si on ne garde pas la même relation, c'est-à-dire que... on peut aussi euh, n'est pas oublier ce qu'on nous a fait. c'est normal. que okay, je peux répondre. Je me réjouis, ok, merci pour euh, cette préoccupation, aurélie. j'aimerais bien te répondre. tu sais, jésus, je donne toujours son exemple. il avait... il était un enseignant. il enseignait. mais dans cette ville, il n'était pas les seuls enseignants. il y avait des pharisiens, dont il n'avait pas, il ne voulait pas avoir un, un, un rapprochement. tu sais ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est quoi parfois? On a tendance à vouloir être ensemble avec tout le monde. Voilà pourquoi on a toujours des problèmes aussi. Ce n'est pas dit parce que je suis un enfant des dieux que je dois me mettre avec tout le monde. Peut-être la personne qui partage le même point de vue que moi ou pas. Ça nous arrive d'être heurté ou d'être mis en colère, d'être blessé par un acte d'une personne. Mais moi, je crois, après avoir ou pendant le pardon, il faut toujours examiner la manière d'aborder la nouvelle forme de, que tu veux adopter. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il faut prendre bien soin de son cœur. C'est très important. On dit que ce n'est pas ce qui, qui entre, qui qui souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Voilà pourquoi ce n'est pas, pas, je, je, pas pertinent pour une personne d'essayer de dire bah « Ben voilà, euh, c'est avec tout le monde qu'on marche. » Dans ces « Pardon, je parle des qui ?» Je parle de cette personne où tu t'es mis avec des personnes, par exemple, qui ne partagent pas ton même point de vue, où tu es dans la société. On est dans la société, ça nous arrive. Pourquoi lorsque je viens toujours aborder cette personne, elle me parle mal pourquoi lorsque je viens te saluer, tu me parles mal Ok, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je te pardonne. Mais pour éviter à ce que je sois, je, je sois toujours blessé, parce que c'est mon cœur, pour éviter à ce que je sois toujours blessé, je dois t'éviter. Je dois t'éviter, pourquoi Pour éviter à ce que je sois toujours chagriné. Là, c'est très important. Là, c'est une précaution. Mais là, c'est pas une haine que tu gardes envers une personne, mais tu as une, tu as pris une précaution pour éviter à ce que ton cœur soit blessé. Donc, je ne parle pas pour dire, euh, je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile, je sais que ça ça, ça peut ça, ça t'est déjà peut-être arrivé d'essayer de te dire, bon, ok, je t'ai pardonné, mais j'ai oublier je ne peux pas oublier parce que je pardonne je ne m'oublie pas non, mais, mais, mais c'est un processus c'est voilà, un processus j'ai fait un effort de ne pas oublier c'est comme ça en fait c'est spontané voilà pourquoi, il faut, faire, ça, voilà pourquoi il faut faire voilà pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire il faut pardonner il faut pardonner et il faut penser son cœur. On parle pas d'un pardon où il faut dire c'est moi je te pardonne. On parle d'un pardon où ton cœur, ton cœur est guéri. Arrête arrête voilà faire comme si c'était si euh, moi le problème en fait. Merci <rire> <pour> <rire> Évangéliste Merci on a compris. Alors Lila, est-ce euh... qu'il faudrait seulement que la personne, que l'on attende en fait que la personne qui nous a froissé vienne euh, vers nous pour nous demander pardon ou on peut bien euh, pardonner la personne sans qu'elle ne puisse euh, venir s'excuser. Je, je te donne un exemple. Il y a une personne qui m'a froissé, qui m'a mmh. fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Mmh. Mais euh, la personne sait que je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait. Mmh. Et moi, avant de pardonner la personne, je me dis, je ne veux pas la pardonner jusqu'à ce qu'elle-même va se rendre compte de son erreur et elle va venir s'excuser mmh. ou euh, il faudrait que je pardonne à la personne malgré ce qu'elle m'a fait. C'est vrai que ça m'a fait mal, ça m'a peut-être fait manquer le sommeil parfois, mais euh, je pardonne quand même au-delà de tout ce que la personne a fait. En tant qu'enfant de Dieu, je vais ce que Hazard a dit, on doit devenir des imitateurs du Christ. Ouais. Lorsque nous péchons, on est des pécheurs, hein, des êtres humains, on pêche, on fait tellement de péchés. Mm -hmm. on, des fois, on, on va en l'encontre de ce qui a été dicté comme loi. Je parle du dit commandement. Mais à chaque fois que nous revenons vers le Seigneur, peu importe mm -hmm. le péché qu'on a fait, il suffit de confesser ses péchés, de demander la miséricorde du Seigneur mm -hmm. et le Seigneur efface nos torts. En, en tant qu'enfant de Dieu, on doit imiter le Seigneur, c'est-à-dire porter en nous les pardons, avoir en nous un cœur prédisposé à pardonner. Si okay. une personne, euh, je, je, je sens le vécu, <laughs> non, sens le vécu depuis tout, tout à l'heure. Mais pas <laughs> du tout, j'essaye juste de me mettre à la place de ces téléspectateurs-là. Si une personne peut... vous a froissé, chers <laughs> téléspectateurs, n'attendez pas que cette personne fasse le premier pas pour venir s'excuser, parce que mm. vous aussi vous l'en voulez d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de possibilité d'aller voir cette personne en face pour lui demander pardon, écrivez à cette personne. Dites à cette personne que non, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, tu m'as froissé et je t'en voulais. Et euh, euh, par l'amour du Christ, j'ai décidé de te pardonner. C'est comme ça. En tout cas, c'est la meilleure façon de, de procéder. Mmh. Moi, j'ai suivi récemment un enseignement sur le pardon. Ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. Mmh. Et il y a eu ces étapes-là qu'on nous a, euh, en tout cas, euh, signifiées euh, en disant, si une personne vous froisse, vous vous gardez cette colère envers cette personne. N'attendez pas forcément que cette personne vienne vers vous. Mmh. C'est comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres. Oui. La personne pourrait l'avoir fait et puis partir. La personne est en train de vivre sa vie. Mais toi, de ton côté, tu restes avec cette amertume, tu restes avec cette tristesse ou alors cette honte qui t'empêche d'avancer. Tu dois d'abord demander pardon pour toi-même, okay. pour être en paix avec toi-même, remonter en estime, confiance en soi, et puis pour être en paix envers les autres, avec envers l'autre qui t'a froissé et tout ça. C'est ce que Dieu nous recommande, aimons-nous les uns les autres. Et puis enfin, pour être en paix... Avec Dieu, parce qu'on doit être comme Dieu. Mmh. On doit devenir des imitateurs du Christ. On doit pardonner à notre tour. C'est comme ça, au fait, que les choses doivent se passer. Mmh. Et il y a aussi ces, ces formes de pardon où, je vais donner un exemple, il faudrait que je donne un exemple. Mmh. C'est même quelque chose qu'on a vécu en famille. Il y a un enfant qui avait volé de l'argent dans la caisse. Ils avaient une boutique, c'est un cousin, ils avaient une boutique et tout ça. Dans cette boutique, son papa a employé sa petite sœur. Et c'est sa petite sœur qui tenait la caisse. Alors lui, il avait l'habitude de venir. Il savait là où se trouvait la caisse et il piochait dedans. À chaque fois, il piochait. Il s'est fait euh, euh, qu'il y ait eu une mésentente entre euh, le frère et sa sœur pour dire que non, voilà, à chaque fois que tu viens, tu me dis que non, voilà, il y a, y a la caisse est, est vide, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui manque et tout ça, quelque chose qui manque. La sœur a dit non, euh, c'est moi si je vais rembourser. Le mois qui vient, le grand frère lui dit en tout cas cette fois-ci, tu ne me rembourses pas, tu pars carrément. Et l'histoire s'est passée comme ça. Des années plus tard, cet enfant, on va dire 20, 15 ans plus tard, cet enfant a grandi, il a suivi euh, les processus de baptême dans l'église et tout ça. Et au cours du baptême, on l'a dit, si il y a quelqu'un que tu as offensé, même cette personne n'est pas au courant, il y a va demander pardon. Et du coup, dans sa tête, il s'est rappelé que non, voilà, c'est à cause de ça que la tante, ouais, ma tante au fait, la tante c'était mm -hmm. la, la sœur de son papa. Oui. C'est à cause de ça que ma, ma tante était partie et puis elle a eu mes ententes et tout ça. Et il était obligé de demander pardon. Mais la tante, est-ce qu'elle savait que c'était cet enfant qui avait connu, qui avait commis cet acte, qui l'avait séparé, éloigné de son frère Non. Il est allé chercher sa tante à l'intérieur du pays. Vous vous rendez compte Okay. Il est allé chercher la tante pour lui demander pardon. Et la tante a pleuré, l'a pris dans, le bras, dans ses bras et tout ça, voilà. Et lui, il a senti comme un soulagement. Et à partir de ce jour-là, les portes ont commencé à s'ouvrir pour lui par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à l'épanouissement, à l'évolution de sa vie. Vous voyez un peu. Il ne, pas que, euh, paix, il ne suffit pas seulement de poser un acte qui euh, soit compris par l'autre directement. Mm -hmm. Il y a aussi ces pardons qu'on doit... Aujourd'hui, vous allez voir peut-être que votre vie est freinée et ça n'a pas acte tout ce que vous avez posé comme ça sans que la personne ne mm -hmm. soit au courant, sans vous, en rendre, sans compte vous compte. en rendre compte et tout ça, mais vous avez heurté l'autre. Alors, cherchez toujours à arranger, cherchez toujours à mettre au centre le pardon pour vous libérer vous-même en tant qu'individu, en tant qu'individu, excusez-moi, libérer également les autres et être en bonne relation avec le Seigneur. Mm -hmm. Alors avec toi j'aimerais quand même rester sur toi et revenir sur la question que j'ai eu à poser à zaf tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on peut pardonner et oublier ce qu'on nous a fait Alors on peut pardonner. Mm -hmm. On ne va pas oublier parce qu'on est, on est des êtres humains. Tu Ça va toujours. Reprendre, tu peux reprendre <laughs> on va pardonner. En tant qu'enfant de Dieu on pardonne mm -hmm. on pardonne. Mais non il y a certaines choses que les, les, la personne pose ou des, des personnes posent envers vous qui euh, euh, ça ne va pas rester comme une blessure au fond de vous parce que vous avez décidé de pardonner cette personne. Mmh. Mais vous n'allez pas oublier au risque de ne pas retomber dans le même chose, c'est-à-dire le même erreur. n'allez pas retomber dans le même blessure, ne pas revivre ce qui s'était déjà passé. Je donne un exemple. Il y a un cas peut-être des viols. Une personne euh, qui t'a violé et tout ça, tu décides de pardonner à cette personne. Mais tu ne vas pas venir lui taper par la, à la main comme ça, voilà, on va aller boire euh, un sucré, euh, euh, je ne sais pas, mon ville, et puis on oui. va, je vais monter dans ta voiture, tu vas démarrer, tu vas partir. Et si la même chose s'est répétée, on pardonne, on n'oublie pas. Cela nous permet justement d'être beaucoup plus prudent en tant qu'individu pour ne pas retomber dans le même zéro, pour ne pas revivre euh, les mêmes choses. C'est ça. <laughs> Elle t'a quelque chose à dire, Non, je chose crois que tu, tu, tu voulais à, à tu voulais avoir tu voulais avoir une réponse qui allait te plaire Mais pas du tout, et, pas une réponse qui m'a plu c'est son avis qu'elle a donné, et moi, et, dit que ça a plu. et moi je, je, lorsque je parle de ne pas oublier, je ne parle pas de d'oublier que la personne a posé un acte qui est mauvais. Je crois que je me suis répété pour dire que lorsqu'on qu pardonne, on ne les fait pas d'abord pour une pour une personne, on les fait pour Penser oui, notre oui, cœur. Oui, oui. Le fait, lorsqu'on parle d'oublier, là, c'est comme la blessure est toujours à l'intérieur. N'est pas oublié. Pour beaucoup de gens, c'est-à-dire, j'ai toujours cette blessure en moi. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas pardonné. Parce que lorsqu'on qu qu parle du pardon, on, on, on pense cette blessure-là. Mm -hmm. Mais oublier, est là où il y a une sanité, une sanité. C'est-à-dire, la personne a toujours cette blessure à l'intérieur. Bien qu'elle a prononcé la parole que je te pardonne. Donc, moi, j'ai dit oublier dans le sens d'oublier cette blessure là c'est c'est de ça que je parle mais pardonner c'est à dire pardonner pardonner c'est ça c'est pardonner comme Dieu le fait exactement parce que à chaque fois qu'on revient vers Dieu il ne dit jamais que tu vois l'autre fois tu avais fait ceci moi je t'avais pardonné hein on ne dit pas ça il nous dit pas voilà ça. <laughs> ok, alors quelque part dans la Bible, je sais aussi qu'il est écrit qu'il faudrait pardonner 77 fois 7 fois. Si je me trompe, tu dit ouais. 77 fois 7 fois. Et quand je fais un calcul très rapide, je pense que ça me fait 539 fois qu'on doit pardonner la journée à une personne qui nous offense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne va nous faire du mal, on doit pardonner 539 fois la journée. Et c'est pas évident, c'est pas facile, c'est vraiment cas. pas facile. C'est juste pour -ce dire qu'il qu faut pardonner. Il tu faut penses, pardonner. Tu penses-toi que c'est facile. Penses facile Justement, je... la pensée, c'est quoi C'est pardonner. Parce que si tu veux compter, c'est un disciple qui pose la question à Jésus parce qu'il mm -hmm. voulait compter combien de fois. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une loi de l'ancien temps, que hey, « aïe pour aïe, hey, don pour don ». C'est-à-dire, lorsque tu me fais du mal, je te fais du mal aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais quand le Christ est venu, il est venu avec les pardons pour dire « il faut pardonner ». Donc... Pardonner, une... c'est pas facile parce qu'il y, ces... y a ces actes, tu sais, vraiment, moi je reviens, je suis dis toujours. Il y a ces actes, ok, on va pardonner sans même que la personne s'en rende compte. Oui. Il y a aussi ces actes inconscients, la personne te pose inconsciemment. Toi, tu pars avec un cœur chagriné, mais la personne ne sait même pas que son acte t'avait blessé. Oui. Donc, toi, tu pars, tu rentres à la maison, amertume, chagrin, pensée, Tristez. colère, tristesse. Pleure, de... Tu pleures, ton cœur est blessé. Tu changes, mais tu deviens une autre personne. Ouais. À cause de cela, moi, je connais des, ces personnes qui ont radicalement changé. Elle n'est plus la même personne parce que n'a n'arrive pas à pardonner. Surtout, par, les pardons permettent à surmonter. Sans les pardons, les gens eu pas à surmonter. Et même, moi, je, je veux vraiment évoquer ces cas parce que c'est les cas qui touchent beaucoup de jeunes et on n'essaie pas d'en parler beaucoup. Surtout, les déceptions amoureuses détruisent des, des, des gens, détruisent les personnalités des gens. Mm -hmm. C'est-à-dire, la personne sort d'une déception amoureuse il faut du pardon pour qu'elle puisse reconstruire c'est à dire elle a été genre où il a été euh, laissé ou abandonné on lui a vendu des rêves après la personne a mal agi ou peut-être il est allé épouser surtout il est cas où euh, tu es avec quelqu'un qui va épouser ton ami <laughs> tu étais avec Alors, lui mais au final passé. voilà ah, cinq ans c'est l'ami que tu es venu <laughs> présenter <rire> tu vois ce sont ces exemples là qu'il faut vraiment évoquer le pardon c'est à dire c'était ton ami, tu es venu, tu lui as présenté à ton copain, c'est mon copain. Tu, tu, tu es étonné de voir un jour euh, une petite discussion de ton copain et une semaine après mariage, fiançailles avec, avec, avec ton ami. Voilà. Voilà, du monde dans voilà. <rire> <rire> avec ton ami. Et qu'est-ce que tu t'es dit C'est un plan donc mon ami m'a frappé euh, au, dos, au dos, tapé au dos comme les Ivoiriens me dire. Voilà. Ça ça demande le pardon parce que ça change les personnes. J'ai été il y a ces gens qui vont aller même voir des féticheurs pour dire non, je veux plus leur voir en vie. Tu sais, il y a ces actes qui poussent les gens à aller commettre des meurtres. meurtres. Okay, je pense me que c'est sur ces actes là qu'on va revenir, ce sera juste après notre moment Exactement. de pause. Et vu que nous parlons du pouvoir du pardon, quoi de mieux que de prendre une chanson qui a très au pardon. On la suit et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour et c'était le titre pardon de Riza mais bien avant de continuer, on va enchaîner avec le reportage et on se retrouve juste après. En tout cas, d'abord, euh, le pardon, c'est une puissance qui libère, comme la Bible le dit. Pour pardonner son prochain, pour pardonner son frère, euh, ou euh, quelle que soit la personne avec qui euh, on donc on vit, il faut d'abord avoir l'amour pour cette personne-là. Lorsque j'aime mon prochain, lorsque j'aime euh, mon frère, pour le pardonner, ça ne va pas me demander. Euh, je ne sais pas, pas trop de choses ou bien euh, des complications pour le faire. Je veux le faire facilement parce que je l'aime. Mais si peut-être que euh, je, je le prends en aversion ou je, je le déteste, en tout cas, je, je ne saurais pas euh, le pardonner. Mais le pardon, comme tel, c'est c'est d'abord un signe euh, de l'amour, mais aussi pour euh, ceux qui savent pardonner et pour ceux qui connaissent Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, c'est facile à, à pardonner. Euh, moi, je, moi je me dis toujours que le pardon a un pouvoir bien sûr, pour essayer un peu de répéter votre question. Parce que le pardon c'est une réparation. C'est la réparation du cœur. Lorsque quelqu'un vous pique ou encore vous fait du mal, tout va directement dans le cœur. Tout passe d'abord par la tête et ça va dans le cœur. Et cela peut causer occasionner beaucoup de, de malaise, de moi et conscience. Et j'espère que les pardons a ce pouvoir-là de réparer les cœurs des gens, des cœurs brisés, qui vont être dans l'amour, qui vont dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc euh, dans ces sens, il faudrait être bref, je dirais que les pardons a euh, une puissance euh, libératrice. Donc euh, voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ça. Eh bien, pardonner quelqu'un, c'est ne pas forcément oublier ce qu'il a fait, parce que ça pourrait constituer un mal innu. Et sur ça, j'espère que euh, pardonner, on pardonne. Réparer, comme je l'ai dit, on pardonne pour réparer, mais pas pour oublier. On peut oublier au cas où cette euh, faute-là ne se répéterait pas. Mais si ça se répétait, j'espère que la, la personne pourra euh, de, 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 de temps en temps essayer un peu de renouer ce que tu avais fait au passé et comme ça. Donc voilà tout ce que je pourrais dire. Et voilà, nous sommes de retour après avoir entendu toutes ces personnes. Et là, j'aimerais avoir ton avis aussi. On les a écoutés, ils ont dit ce qu'ils pensent, c'est leur avis et euh, selon toi, jusqu'où peut-on pardonner à une personne qui nous a fait du mal? il n'y a pas de limite au pardon. comme okay. je l'ai dit, c'est vrai que c'est difficile, c'est dur. Euh, en tant qu'humain. on porte ce corps de... de on a cette chair et tout ça qui... Est, pour ça il faudrait, est faudrait difficile. être honnête. c'est très difficile. difficile, difficile. Pas impossible. surtout par rapport aux actes, mais c'est pas impossible. mais ce n'est pas impossible. donc, pour ça, je dirais qu'il n'y a pas de limite au pardon. Il n'y a pas de limite. C'est vrai qu'il y, y a des actes qui sont très ignobles, qui sont commis de la part des autres qui pour, juste pour nous faire mal. C'est-à-dire, ils ont fait ça expressement mm -hmm. et nous, ça nous blesse, ça nous heurte à un point où on s'est dit est-ce que je vais arriver à parler Et surtout, quand tu, que quand tu sais arriver? que cette personne a fait ça exprès, expressement. Fait ça, dit, ça, euh... ça, 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 ça bouillonne encore dans oui. le cœur et tu vois la personne en train de sourire alors qu'elle t'a fait du mal. Ça, c'est vraiment rajouter l'insulte à la douleur. Mm -hmm. Vous voyez un peu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est là qu'on nous demande. C'est de là qu'on nous demande. C'est même là que. Quand ça euh, fait le plus mal. C'est vraiment. C'est mm -hmm. même là que euh, notre foi est testée, c'est-à-dire envers le Christ. essayer de voir à quel point vous, vous aimez le Christ. Reproduire ce que lui, il a, il a produit sur la croix pour nous. Il a porté tous nos péchés. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire, bah, bah, il, a, il a tout porté ça en lui. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Et je pense qu'à partir de cet acte-là, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas des limites pour pardonner. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça va prendre du temps. C'est si une blessure. Une blessure ne va pas cicatriser du jour au lendemain. Une blessure, une blessure doit prendre du temps, doit être soignée au fur et à mesure pour arriver à cicatriser. Et ça doit prendre. Ça, ça doit prendre le temps que ça prendra, mais en tout cas, au finish, le but, l'objectif, c'est de pardonner. C'est très si difficile. Si vous voulez que ça aille vite, on peut toujours demander l'aide du Seigneur. L'aide du Seigneur, voilà. Là. demander mmh. en tout cas l'aide du Seigneur, que les Seigneurs vous aide qui vous touche à travers son Esprit Saint, pour que vous puissiez pardonner plus facilement, pour que vous puissiez vous soulager de ces fardeaux que vous portez. Parce que le péché, c'est un fardeau. Mmh. Les pardons, excusez-moi. Le, la colère qu'on porte en nous, l'amertume qu'on a en nous, la honte, la tristesse, c'est un fardeau qui nous empêche d'avancer. Oui. qui nous empêche de nous épanouir nous-mêmes en tant qu'individus. Ça nous détruit psychiquement et ça nous détruit aussi physiquement parce que l'amertume que vous ressentez, la colère, au fur et à mesure que vous êtes en train de, 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 de germer ça au fond de vous, ça vous ronge. Ça vous rend ça vous change, ça vous transforme en tant que, en tant que personne. C'est-à-dire même la joie de vivre, vous n'en avez plus. Et ça, ça se marque sur votre visage. Et vous avez même des problèmes de santé. Vous avez du mal à prendre du poids. Vous avez du mal à uniformiser votre peau. Vous avez des cernes et tout ça. Vous avez du mal à manger. Donc ça vous freine au fait. Ça vous rend un mauvais service. D'où il est recommandé en tant qu'enfant de Dieu de pardonner pour vous libérer de ce fardeau là, pour vous permettre d'avancer, de continuer à évoluer, de ne pas stagner. Parce que lorsqu'on est euh, fâché contre une personne et Essayez de voir ça même par rapport à vos activités, par rapport à vos proches, par rapport à ce que vous faites en tout cas en dehors de votre colère. Essayez de voir ça. Vous allez voir que non, la colère est en train de déteindre sur tout ce que vous faites, ça bloque les choses vont à, à, en tout cas à pas de tortue, il y a des, 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 des situations que vous attendez, ça, ça met du temps pour arriver, pourquoi Parce que vous en voulez à quelqu'un, pourquoi Parce que vous portez ces fardeaux déchargez-vous de ces fardeaux chers téléspectateurs pour vous permettre d'avancer de souffler en tout cas en tant qu'individu il faudrait prendre juste un petit exemple lorsqu'on vient de nous faire du mal lorsqu'on mm -hmm. est énervé, fâché, on n'arrive à rien faire en fait, on n'arrive à rien est, faire ça correctement, ça tape correctement, sur les nerfs et tu, tout ça. Tu, tu, tu travailles pas bien et tout ça, donc euh, vous voyez à quel point euh, le pardon peut être important. Ne suivez pas tout ce que Azaf est en train de dire. <rire> <rire> Alors, avec toi, on était sur, euh, sur des exemples, hein, Asaf, Exactement. Je que, qu on revient dessus, déçu. Tu avais quelques exemples à nous donner pour permettre à nos téléspectateurs de pardonner. Peut-être que pour certains, ils attendent d'entendre ces exemples-là pour se dire que. Ah, Finalement, ils ont raison. Je vais, je vais pardonner cette personne. exemple. J'aime d'abord bien la question euh, qui a été posée et la manière, la réponse, ça m'a vraiment plu. Mais je vais donner l'exemple. Est-ce que les gens sont toujours euh, ont la facilité de pardonner, par exemple, l'infidélité C'est une, une question. Voilà. Ah, je ça, <laughs> je suis trop les ah, ça. Non ça. non non, je, je commence juste par là, parce que c'est, moi je connais, des des de rires gens, rires je connais beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui euh, qui disent que non, voilà moi je peux jamais pardonner l'infidélité d'un homme. Il y a ces hommes qui disent aussi moi jamais je pardonnerai l'infidélité d'une femme. Donc c'est comme si les gens ont ont des limites au pardon. Il y a des choses qu'ils peuvent pardonner et voilà. autres, non. Là vraiment vous allez me donner raison si vous essayez de poser cette question à plusieurs personnes, ils vont dire qu'ils ont des limites de pardon. Il y a ces personnes qui peuvent pardonner tout mais sauf la trahison. Non, c'est mon ami. Genre il peut pas me trahir mais lorsque l'ami t'est trahi, je peux jamais pardonner la trahison. Il y a aussi ces personnes qui pardonnent jamais l'humiliation. Tu peux jamais m'humilier. Si tu m'humilies, je pardonne pas donc pour dire il y a une envergure dans chaque acte pour dire il y a une dimension à considérer dans chaque acte posé qui exige ou qui demande un pardon mm -hmm. les exemples sont là l'exemple que je donne c'est l'exemple de d'une femme qui a vécu l'infidélité de son homme comment elle a fait pour surmonter cela Comment elle a fait pour pardonner Est-ce qu'elle avait les choix ou elle a vraiment pardonné Parce qu'il y a ces personnes, euh, surtout dans les cas de, du mariage, la personne ne pardonne pas parce que elle veut pardonner, mais la personne vit avec. Je connais ces femmes qui disent je suis dans ces foyers juste pour les enfants. Mmh. Pourquoi Parce qu'elle dit qu'elle a supporté énormément l'infidélité de son homme qu'elle a vécu de toutes les couleurs et moi je crois que cette personne ou cette femme elle devient malheureuse parce que elle n'a pas su pardonner à ce moment-là, il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que l'homme a, a, a fait le premier pas pour demander pardon Parce qu'il y a de ces hommes qui enchaînent l'infidélité sans pour autant voilà, pour peine de voilà pourquoi Voilà pardon. pourquoi Alors, je... Je de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas attendre que la personne... Voilà euh, pourquoi oui, je... Mais je... C est... C est... Vous savez, ça va aussi de père C'est-à-dire, j'ai raconté l'histoire d'un cousin qui voulait de l'argent. Il est quand même ouais. venu demander pardon. Mm -hmm. Donc, si vous êtes conscient d'avoir heurté la sensibilité de l'autre, faites le premier pas. Okay, là man, là maintenant, c'est de l'autre côté de la personne Faites, qui froisse aussi. Voilà. Mm -hmm. Faites le premier pas. La personne peut décider de vous pardonner, mais si vous venez en tout cas vers la. Ça sera comme la, la série sur le gâteau mm -hmm. pour cette personne. Okay. ok, merci beaucoup, Leïla, pour cette contribution. Donc, je, je m'attelle sur ces trois actes ou ces trois exemples qui, euh, où on dit que où, là où les Romains s'empoignent. Les C'est-à-dire l'infidélité dans les couples. Ou dans les mariages, la trahison, l'humiliation. Ces trois exemples, le pardon est très difficile à trouver dans ces trois cas. Pourquoi Parce que lorsque, par exemple, on, est, on aime, on ne s'attend pas à certains actes. On jure fidélité, on jure amour propre, amour saint. Et lorsqu'il y a l'infidélité, les gens n'arrivent pas. Pourquoi Parce qu'ils imaginent comment. Est-ce que la personne qui dit m'aimer peut partager son cœur à une autre personne Et j'ai parlé du cas de ces femmes ou de, 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 de cet homme qui est malheureux ou d'une femme malheureuse parce qu'elle vit au quotidien l'infidélité de l'autre. C'est très important de les souligner aussi. Il y a ces personnes parce qu'on te pardonne. Parce qu'on t'avait pardonné une fois. Tu reviens pour dire, ah ok, comme elle pardonne. J'ai fait encore. C'est-à-dire, le fait de pardonner, les personnes mal intentionnées les prennent comme une faiblesse. Parce que c'est une personne qui pardonne. Tu sais, on vit dans une société, même lorsque tu es gentil, on te prend pour un faible. Ta gentillesse, là, ça s'est traduit, ça s'est déguise en faiblesse. Alors, étant enfant des dieux, on n'a pas de choix. On doit accepter le fait que les gens puissent nous voir comme des faibles pour que nous puissions être forts devant Dieu. Ce sont parmi ces actes de l'infidélité. Et je lisais un article ce matin. Euh, pourquoi les gens restent ensemble même lorsqu'il n'y a plus d'amour Et surtout dans les cas du mariage, ou surtout dans les cas des couples. Et il y a ces personnes qui ne pardonnent pas, mais la personne a ses mal la peur de rester seule. Cette peur-là. Genre, c'est pas, pas le fait qu'elle a pardonné. On s'est dit, ah, ma dans son cœur, est-ce qu'elle a vraiment pardonné vois pourquoi on a dit ici au début que le pardon c'est à l'intérieur. Ne fais pas les actes pour que les gens pensent que tu pardonnes alors que tu là tu t'es détruit toi-même. Parce que les gens vont penser que tu as pardonné ou la personne Limbi ah, limbisanga mais dans ton cœur tu as toujours mal, tu pleures tous les soirs. Tu t'es détruit. Dans les cas de la trahison, vous avez conclu un marché où fallait que vous puissiez vous partager 50 et lorsque l'argent sort on roulés, on t'est trahi. Et surtout en amitié aussi, ça arrive, que tu te rends compte que la personne qui est allée t'accuser ou qui est allée euh, euh, rencontrer des bobards sur toi, c'est ton ami, la personne que tu, tu appelais ami. Genre, la blessure sera forte parce que tu n'imagines pas l'acte, tu imagines les relations que tu entretiens avec les personnes ou avec la personne. C'est une personne qui est proche, qui connaît peut-être tes secrets, mais c'est la personne qui va aller rapporter tout de toi. Alors là, ces genres d'actes, tu vas voir que la personne, c'est pas facile à une personne de pardonner ces genres d'actes, la trahison. Et l'humiliation, ça arrive que, imagine, tu es humilié au milieu des gens hein, devant tout le monde, on t'humilie. Je crois que les gens ne pardonnent pas facilement ces actes-là. Ce sont ces actes qui, je vais dire, qui regroupent énormément de, de réalité pour pouvoir avoir le pardon. Donc voilà pourquoi il faut bien entretenir. Moi, je crois qu'il y a une manière pour pouvoir être préparé par rapport à ça. Il faut se préparer à l'humiliation, se préparer à la trahison, se préparer face à l'infidélité ou face à tous les actes que les humains peuvent poser. Parce que lorsqu'on n'est pas préparé, on a un cœur amoindri, amertri. Parce que à chaque fois, que tu verras ça, ça te rappelle. Hein? Moi, je connais des gens, ils disent qu'à chaque fois qu'ils voient un acte commencer à s'époser, ça lui fait rappeler Ah, ça avait commencé comme ça. Je sais comment ça commence et ça finit par ça. Genre, c'est comme une expérience qui s'est formée. C'est comme, comme quelque chose, je vais dire, c'est comme une vérité absolue que tu t'es mise dans ta tête. Que lorsque je vois quelqu'un cacher son téléphone, c'est-à-dire, parce que j'ai vécu une histoire qui a été comme ça. Donc voilà pourquoi nous, nous sommes en train de dire que lorsqu'on pardonne, on n'essaye pas de pardonner par la bouche. Il faut commencer à pardonner dans son cœur. Il faut pardonner d'abord dans les cœurs. Les cœurs d'abord. Bien prendre soin de son cœur. Pardonner avec ton cœur. Et après, tu verras que non seulement toi, tu vas plus souffrir, mais la personne aussi va aller s'épargner Parce que voilà, y a, tu as juste besoin de pardonner une personne pour que toi-même tu puisses évoluer. Tu n'évolues pas parce que tu ne pardonnes pas, tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais pardonné à cette personne qui t'avait blessé, qui t'avait euh, voilà, qui a été l'auteur de, de, de ton écroulement, qui a volé ton argent, ton fonds de commerce et aujourd'hui, tu es toujours là, tu n'avances pas. Pourquoi Tu t'es dit ah, étoile non parce que tu n'as pas pardonné. Et ton cœur à chaque fois que tu veux faire un pas pour avancer dans la vie, tu n'arrives pas, tu te souviens toujours on m'avait volé de l'argent. À chaque fois que tu, tu as une bonne relation avec devant toi tu imagines ce que tu as vécu avant, ça t'empêche d'aller d'aller de l'avant avec la relation qui vient vers toi. Donc mm -hmm. le pardon, elle est, il est très, très important. Mm -hmm. ouais. On peut le voir hein, depuis euh, depuis le début de cette émission que ouais. le pardon est, est très important. Alors Lila, c'est vrai, euh, il, faut, il faudrait qu'on se le dise. Les incorrigibles, comme on peut le dire, ils ne manquent jamais. Aujourd'hui, il y a, a de ces gens-là, tu vas lui faire... Euh, le reproche sur quelque chose et le jour suivant il va revenir sur la même chose donc ces gens ce sera difficile de se dire qu'on peut vivre sans eux on ne peut pas vivre sans ces personnes là mais comment entourent. faire parce qu'ils nous entourent en fait ils font, ils font partie intégrante de notre vie mais comment faire pour vivre pour être pour rester ensemble avec toutes ces personnes là que l'on appelle les incorrigibles il faudrait déjà commencer par préparer son cœur et son mental parce mmh. que ces genres de situations, ce sont des situations qu'on va forcément euh, rencontrer au cours de notre vie. Ce sont ces personnes qu'on rencontrera forcément. Les personnes ne sont pas faites à notre image. Chacun d'entre nous est différent. Mmh. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est déjà appréhender le choses. C'est préparer vous-même en tant qu'individu comment est-ce que vous allez réagir par rapport à tel ou tel acte qui sera posé euh, contre vous euh, pour vous nuire. Pour vous mettre à terre, il faudrait déjà commencer à se préparer. Il faudrait déjà mettre euh, un système en place. C'est-à-dire, oui. au cas où telle histoire va m'arriver, je vais réagir comme ça. Mm -hmm. Je vais adopter euh, cette façon de faire le show. Déjà mm -hmm. s'armer, vous-même en tant qu'individu, mais aussi être prudent. Être prudent avec ces personnes. Une personne qui vous a déjà heurté, une personne qui vous a déjà blessé, qui vous a fait du mal, il ne faudrait pas être avec lui... Euh, euh, comme avec tout le monde, c'est-à-dire, comme avec une personne que tu viens à peine de, de rencontrer, c'est-à-dire, tu es un peu plus ouvert. Mmh. c'est vrai que quand on rencontre des gens, on a des appréhensions. Mais avec une personne qui vous a heurté, il y a doublement d'appréhension. C'est-à-dire, tu sais déjà comment est-ce que la personne va réagir. Tu sais déjà que la personne, avec un n'a pas de débordement. Ou tu sais que la personne, hasard, beaucoup plus moto pour lancer des injures qui vont mmh. te heurter. Tu sais déjà, bah, comportement bah, acte, bah, parole à Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est être prudent. C'est être prudent vous-même en tant qu'individu. Il faudrait d'abord vous protéger parce que c'est votre cœur, parce que voilà, c'est votre mental et tout ça. Commencez d'abord vous-même par vous protéger, vous mettre des barrières dans la tête, c'est-à-dire mm. vous armer psychologiquement, physiquement aussi par rapport à ces personnes, mais être prudent face à ces personnes. Il faudrait être prudent et avoir une certaine façon de se comporter envers ces personnes parce qu'on pardonne, n'oublie pas, c'est pour être beaucoup plus prudent la prochaine, la prochaine fois, prochaine fois. Mm -hmm. que cela ne se reproduise plus. Ok, Azab, selon toi, comment faire pour vivre avec les incorrigibles Ok, c'est, il faut savoir que dans la vie, il y aura toujours des hauts oui, et des bas. Il y aura toujours ces personnes qui vont toujours continuer à poser des actes ignobles, des actes qui vont nous blesser. Et c'est très important de, comme je vais rejoins Leila, de se préparer. Lorsqu'on est préparé, on est là, on est, on s'attend à tout que la personne puisse vous blesser ou pas, vous êtes préparé et c'est mieux la préparation parce que cette préparation permettra à ce que à chaque fois qu'il y aura un acte qui vous blesse, vous allez banaliser et vous n'allez pas le mettre vraiment à cœur. Vous allez pardonner la personne et vous savez à ces personnes quand tu, tu pardonnes une deux fois après, ah, ça c'est pas une personne normale. Hein. Comment il arrive à pardonner ça C'est ce que je dois bien vivre avec cette personne. Donc vous savez votre disposition va permettre à ce que les autres personnes puissent changer. Vous allez changer les gens. Moi, je connais des gens qui ont changé parce qu'ils ont croisé ces personnes. Ils s'est dit Mais tu m'as pardonné et tu as montré. Et ça dépend vraiment. Moi, je parle de, de, de ces cas où euh, il y a ces personnes que tu dois pardonner et continuer à vivre bien avec ces personnes. Parce que ils ont besoin de ça pour apprendre. Par exemple, en amour, est-ce que tu as besoin de, de la personne que tu aimes de changer, et de vivre avec cette personne voilà ouais ah bon moi je suis un filandreux. après j'ai toujours évoqué ces cas-là parce que c'est très important il faut pas le laisser mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup qui suivent euh, ils ont des amoureux ou des amoureuses qui se disent ok est-ce que je dois le pardonner et je dois vivre toujours comme c'était avant être gentil ou je dois changer ah bon si vous vous aimez vous avez des objectifs à atteindre en tout cas il faut savoir qu'on est des humains on a ces moments de faiblesse mm -hmm. et voilà et surtout après ça il faut toujours apprendre ensemble pour éviter à heurter. Il faut, il faut communiquer. Il faut parce que moi, par exemple, un comportement, une manière de parler, ça va ça va pas me plaire. Mais t'as jamais dit à la personne que toi, tu n'aimes pas ça. Comment cette personne sera disposée à savoir qu'elle a, ça lui a blessé et tout. Donc, c'est très important après avoir pardonné, essayer de trouver un consensus. Surtout même avec les amis et tout. Il faut bien, bien recadrer. Il faut bien, je dirais, il faut bien classer ou classifier ses relations avec les gens. Il ne faudrait pas que certaines relations puissent aller jusqu'à un, un niveau... Parce que tu risques d'être blessé. Tu risques d'avoir mmh. mal au cœur. Voilà. Pourquoi euh, Ne sois pas l'ami de tout le monde. C'est très important. Ne sois pas l'ami de tout le monde. Tu es au milieu professionnel. Restez professionnel. C'est très important. Parce que je ne cesse de te répéter. Donc, restez professionnel. Qu'on qu on sache qu'on est dans un milieu professionnel. Je, tu ne peux pas commencer à parler de la vie de gens et tout. Tu touches mmh. à ce qui est professionnel. Et contrôle ta manière de parler à d'autres personnes. Mmh. Quand tu es dans un milieu professionnel, tu dois être professionnel. Quand tu quittes ces volets du professionnalisme, tu commences à entrer, tu descends un peu plus bas, tu commences à blesser les autres parce que tu as la tutelle, parce que tu, tu, es, euh, tu es le chef. Alors là, le chagrin, la colère que tu causes dans les cœurs de, de ces personnes qui sont inférieures à toi, en tout cas, ça peut te coûter cher. Ça peut freiner l'entreprise de marcher bien. Parce qu'il y a cette flamme qui commence à s'éteindre, parce que les gens sont frustrés, les gens. Ça commence à s'éteindre. Donc voilà, c'est un... ce que j'aimerais je... ajouter vraiment. Merci pour ça, Azaf. Alors, Lila, est-ce que qui dit pardon dit forcément amour et humilité oui, dans un sens, mais le pardon, c'est le pardon. Le pardon n'est pas forcément égal à, à l'amour ou égal à l'humilité, mais on retrouve de l'amour mmh. et de l'humilité. Parce que pour pardonner, il faudrait avoir cette force-là de surpasser l'acte qu'on a posé envers toi, qui t'a heurté. Et on, on voit l'humilité, c'est-à-dire vous vous, vous, vous vous surpassez en tant qu'individu pour arriver à voir au-delà de ce qui a été posé comme acte. On part de l'amour qui réjouit... Aussi le pardon pourquoi parce que quand on pardonne on on, on oublie au fait c'est comme dieu il est tellement il est rempli d'amour que lorsque nous venons vers lui à chaque fois pour demander pardon il nous pardonne par son amour par sa miséricorde il y a de l'amour dedans quand tu décides de pardonner à, à un individu c'est à dire tu l'aimes parce que c'est le Christ qui a édicté cette loi, mm -hmm. qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. On rejoint ce que le, notre Seigneur nous a euh, édicté comme loi, c'est-à-dire aimons-nous les uns les autres. Il y a de l'amour dans le pardon. On mm -hmm. retrouve de l'humilité dans le pardon. C'est vrai que partant de la définition du mot pardon, ce n'est pas la même définition que euh, celle du mot amour oui. ou celle du mot amour ou alors la même définition que euh, 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 l'humilité, mais on, on retrouve l'amour et l'humilité. Dans le pardon, il faut avoir de l'amour pour pardonner. Il faut avoir de l'humilité pour pardonner. Si tu n'as pas d'amour, je ne vois pas comment est-ce que tu pourras pardonner. Et si tu n'as pas de l'humilité, je ne vois pas non plus comment est-ce que tu pourras pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Ok, Azaf, tu vas ta réponse ira dans le même sens que, que celle de Léa. Le pardon, c'est une expression d'amour. Lorsque lorsqu'on pardonne, on essaye d'exprimer comment notre cœur est amoureux où on a l'amour en nous parce que à l'intérieur de l'amour on trouve l'humilité, on trouve le pardon c'est à l'intérieur de ça donc c'est juste quelqu'un qui manifeste qu'il est humble pour pouvoir pardonner voilà ça rime avec l'humilité, euh, ça, ça rime avec l'amour mais parfois c'est pardon et isolé de l'amour mais c'est juste l'expression pour dire je vais avancer, j'ai pas besoin des de problèmes avec des gens mmh. parfois ça rime seulement avec l'humilité ah bon, okay, mais ça ne genre ça fait pas entrer l'amour à l'intérieur pour dire bon c'est pas parce que j'aime non non c'est parce que je veux pardonner pour euh, ne pas avoir des problèmes j'avance ok donc euh, c'est un peu ce que je peux dire voilà. alors Lila très brièvement avant de finir c'est même par là qu'on va finir mmh. on va donner euh, des conseils à, à deux volets on va demander euh, tu vas donner un conseil à ceux qui ne demandent jamais pardon mmh. et à ceux qui ne pardonnent jamais alors moi j'ai toujours l'habitude de dire euh, aux gens qui m'entourent à mes proches euh, qu'on doit se mettre à chaque fois à la place de l'autre. Lorsqu'on se met à la place de l'autre, on est, euh, on voit les choses de la même façon que l'autre, c'est-à-dire on est sur sur le même euh, sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est-à-dire je me mets à la place d'Azaf, je veux me voir. Je me mets à ma place, je vois Azaf. Mm -hmm. Et lorsqu'on se met chacun à la place de l'autre, ça nous permet en tout cas de de bien gérer les choses, mm -hmm. de nous contrôler nous-mêmes en tant qu'individus. Si je me mets à la place d'Azaf, je ne vais pas lui dire euh, de mauvaises paroles, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas le heurter, je ne vais pas le blesser, parce que je n'aimerais pas qu'Azaf le fasse en retour. Oui. Je n'aimerais pas qu'Azaf me le fasse en retour, j'aimerais n'aimerais pas qu'Azaf m'insulte moi aussi en retour. Alors ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi pour l'autre. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aussi pour l'autre. Mettez-vous à la place de uns et de autres. Cela vous permettra en tout cas de voir les choses sous l'angle de l'autre pour dire que non, ah, à son niveau ici, si moi je lui disais ça, comment est-ce qu'il allait les ressentir? Mmh. Si je me mets à sa place. Et ça, ça va permettre en tout cas en tant que euh, individu de corriger certains actes qu'on pose, euh, certaines paroles qu'on sort comme ça à la volée ou alors, euh, je sais pas moi, euh, certains regards qu'on lance aux gens. Ça va vraiment nous permettre de nous corriger. Il oui. suffit juste de vous mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est très difficile hein, de se mettre à la place de parce que les gens se mettent dans, dans un piédestal où on ne veut pas voir l'autre. L'autre pour lui, c'est les néants, c'est le vide et tout ça. Moi, je me mets là au-dessus et puis je m'occupe pas des autres. Et ça, c'est une erreur qu'on qu'on commet tous, il faudrait vous mettre à la place des autres. Si on se met à la place des autres, il y a déjà l'amour. On s'aime comme euh, on devrait aimer l'autre. On s'est mis à la place de l'autre. Et je pense que c'est ce qu'on devrait tous, en tout cas, faire. C'est mettre à la place de l'autre. commencer par vous mettre à la place de l'autre. Mm -hmm. C'est ce que je donnerai comme conseil. Ok. ça ce sera quoi ton dernier mot à toi, très rapidement Faut pardonner. Enfant des dieux, pardonner. Mais aussi... Euh, Demandez pardon lorsque vous commettez un mauvais acte et le conseil que je vais vraiment vous donner, ce n'est pas de revenir à vos erreurs. En tout cas, il faut jamais être quelqu'un qui va toujours reculer pour comme un récidiviste. C'est pas très gentil parce qu'à chaque fois que la personne vous pardonne et vous répétez la même erreur, la même erreur pardon, ça va vraiment faire souvenir, ça va marquer des mauvais souvenirs à la personne. Parce que je pardonné la même chose trois quatre fois en tout cas c'est pas c'est pas sympa et euh, ça pousse la personne à bout. Reconnaissez vos fautes, pardonnez, demandez pardon, changez. C'est très important. Ça garde la relation en harmonie. Merci. Merci Azaf, merci Lila, merci à vous très chers téléspectateurs, en tout cas tout a été dit dans cette émission et moi je pense que c'est même une émission que vous pouvez suivre en boucle, pourquoi Parce que tout a été dit, il y a même des, 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 des exemples comme ça qui ont été tirés de la Bible, le modèle parfait d'ailleurs que nous avons pour faire le bien. En tout cas on va se retrouver au prochain numéro pour une autre émission et ça sera avec un nouveau sujet, au revoir. dans cette dimension créative